Ça part en tournage aujourd'hui les gars, avec des invités exceptionnels, ça devrait être cool. Mec, ça me fait bader sa mère. Gros, je t'ai dit c'est vidéo aussi. J'espère que t'es prêt. Est-ce que t'es prêt pour la vidéo? Mec, c'est chaud. Yo l'équipe! Non, là, tu veux juste saboter. Depuis tout à l'heure, il a qu'une mission, c'est tout déjà, saboter. Mec, il est déjà chiant. Yo les petits potes, tout le monde, c'est Michou. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Aujourd'hui, les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo que, comme toutes mes vidéos, j'ai l'impression, j'ai peur de tourner. Mec, j'ai vu un taser. On est avec des malades mentales. On est avec le frérot Inox Tag. Toujours là. Toujours. Ça bouge pas. Le frérot Elias, première fois sur ma chaîne YouTube, je crois. C'est vrai, première fois. Salut les mecs. Accueillez-le comme il se doit dans les commentaires, les gars. Je veux que des. Wow, Elias, t'es fou. Et le frérot Théodore. Ça dit quoi? On a déjà tourné une vidéo ensemble. Deux maintenant, une sur ma chaîne. Deux, en plus, ouais, une sur sa chaîne qui est très drôle, les gars. N'hésitez pas à aller la voir si vous l'avez Let's pas go. Vu. En gros, moi je sais à peu près ce qui va se passer et je les ai un petit peu teasés. Pour les inviter dans la vidéo, je leur ai dit: hey les gars, vous êtes chauds, on fait une vidéo gage extrême, on s'en met plein la gueule. Le brief, c'est vraiment ça. Il y a des bails de fou, vous êtes pas prêts. Le concept, c'est simple, on va faire plein de mini-jeux avec des gages un petit peu dans les mini-jeux. Chaque mini-jeu nous rapporteront des points et à la fin, il y aura qu'un gagnant et trois perdants. Et les trois perdants auront un gros gage en plus à la fin de la vidéo. On va morfler toute la vidéo pour avoir des points et à la fin, il y en a trois qui se mangent un putain de gage. Gage est différent et le gage est différent de pour chacun. C'est un gage chacun différent. Chacun a un gage attitré à lui. Les gars, je vous propose qu'on aille voir l'arbitre. L'arbitre. Oh là 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 là, quel plaisir de le revoir cet arbitre. Moi, il y a zéro stress. Nous non plus. Bon du coup, c'est moi qui vais être l'arbitre. Je vais vous donner les règles à chacune des épreuves à chaque fois. Il y en a 7 et bah, en vrai, on peut commencer par la première épreuve, hein. Je sais pas si vous. Directement. Dobby, ouais, oublie pas, c'est moi qui te paye. Ouais, y a pas de bail comme ça, hein. Ah non, y'a pas de bail en Louis. Y'a pas de bail comme ça. Non, mais pas de favoritisme, juste c'est moi qui te paye. J'ai l'impression que tu veux quand même le rappeler. Lâche-moi à l'eau. Ok, y'en a 4, y'en a 3 piégés, un qui est bon. Oh non. Si t'as celui qui est piégé, bah tu dois finir. Oh frère. Comment ça piégé, y'a quoi? Vas-y, moi je suis mon expert. Non, t'as pas envie de savoir, t'as pas envie de savoir. C'est dégueu. Je vais pas te dire ce qu'il y a. C'est bon, on y va. Le mec, il était chaud, il a dit. Mais c'est des talons. Mais les gars, je pense que c'est des trucs vraiment dégueulasses. J'ai pas trop le choix, ça se voit, la texture de mon chamallow, il est vide. Sur ton chat. Ah ouais, moi je suis mort. Hé, hey, toi, Elias, je pense que c'est moi, j'ai pas envie de voir, j'ai pas envie de voir, j'ai pas envie de voir. Vas-y, toi. J'ai pas envie de voir. Hey, le tien, y'a de la merde dedans, carrément. Vas-y, vous êtes prêts? Vas-y, 1, 2, 3. Oh non. Oh, elle dégueulasse. Yes! Yes! Y'en a un au dentifrice, un au tabasco. Moi j'ai l'ail. Tabasco. T'as le dentifrice. Ouais, j'ai pas le goût du dentifrice. La tête d'homme, j'ai été dégueulasse le mien. Bien sûr que c'est dégueulasse, un goût dentifrice. Mais en vrai, là, quand tu me le dis maintenant, je fais oh, c'est bon en fait, c'est bon. En fait, le mélange sucré, mais il a un goût d'ail très bizarre. Celui-là, ça devait être le pire. Je pense. Non, non, mais j'ai senti Michou là. Oh, y'a un aura, c'est dévastateur. Non, si vous vous roulez une pelle, ça équilibre la laine. Waouh, waouh. Deuxième épreuve du coup, quoi. Vas-y. Attends, donc là, lui, il a un point. Elias, il a le point. Mais toi, t'es Gucci. C'est bon, ah non, t'es Lacoste. Pas ta meilleure. J'ai pris celle-là. On va vous donner une feuille, des numéros de téléphone, des mots. Si tu arrives à faire dire à la personne que t'as au téléphone un des mots, tu prends un point. Oh, j'adore. Moi j'adore. Aussi. Mec, sa bouche, elle sent le cul. Oh, c'est un enfer. La tête. Ça va, mec, t'as la c'est bonne là, t'as eu l'ail, toi. Je suis trop bien. Et toi, Tabasco, ça a arraché. Ça a piqué, mais c'est surtout, tu sais, quand le petit liquide qui arrive dans ta bouche, mon gars. Oh, du coup, je te réexplique. Théodore, c'est toi qui commence. Il y a des numéros de téléphone ici, il y a trois mots là. T'arrives à faire caler à la personne que t'as au téléphone un mot, c'est un point. T'en as trois. Ok, c'est let's go. Tu veux prendre trois points? Je vais prendre trois points. Et tu sais comme pas ça, qui t'as au téléphone. Il va savoir qui l'appelle. Quoi? Je dois appeler un cabinet d'avocat. T'en as plusieurs des numéros. Un cabinet d'avocat. Mais attends, parce que ça dépend, tu dois lui faire dire quoi, frère? Bonjour. C'est facile, bonjour. Non, c'est impossible. Merde, sûrement le Hebs, il est impossible. Hebs. Je serais fouillé parce qu'avocat. Mais attends, je vais lui faire dire bonjour, c'est facile. Apparemment, c'est dur parce qu'un avocat dit pas bonjour. Hein? Pourquoi il dit pas bonjour? C'est comme une règle. J'ai jamais entendu parler de ça. Bah, crois-moi qu'il va appeler, l'avocat il va dire bonjour. Bah, c'est un point. T'es un monstre. Oh, il appelle. Il est pas là pour jouer aux cartes. Bonjour madame, excusez-moi, alors je vous appelle parce que je suis auto-entrepreneur et je suis en train de faire des contrats, enfin bref, je travaille avec certaines personnes et je viens de faire une facture à un site de rencontre et le truc avec, avec les fruits. Mais vous dites quoi, parce que vous êtes dans un cabinet d'avocat là, je veux pas vous raconter de la vie, ça m'intéresse pas. Mais comment ça, ma vie vous intéresse pas, je viens demander, enfin je suis un client quoi. Je vous demande si je peux avoir des conseils sur certaines choses quoi, sur certains contrats quoi. C'est de la part de quelqu'un? Ah non, c'est de ma part, je suis une... Oui, d'accord, ça vous intéresse pas.
vous loupez un gros client, madame. Au revoir. Madame, je suis où? Je me suis fait, daronner. Mec, alors on avait rien à foutre. Mais quoi, j'ai pas compris, il y a des... Le move de, il y a des sites de rencontres machin. Mec, c'était impossible qu'ils connaissent. Après, elle a dit bonjour. Mais par contre, mec, elle en avait rien à foutre. Si vous dites le mot, vous avez perdu. Ok, non, faut pas dire le mot. Donc t'as moins 1, C'est amusé, j'ai un. Du coup, t'as pris un point. Vas-y, c'est Elias après. Après, ça va un point. Alors, où c'est le prochain? Vas-y. Boucherie. Quoi? Valérie Bœuf Tablier. Et en plus, il a pas le droit de dire le mot. Oui, allô? Oui, allô, bonjour, boucherie de la... Oui. Je vous appelle parce que en fait je vais me marier et j'ai un achat assez conséquent à faire et j'aurais quelques petites questions. Vous voulez combien, déjà? Moi c'est une petite boucherie, hein. je suis pas un grossiste. Bah après je pourrais faire mes achats dans deux boucheries différentes, mais déjà je voudrais savoir, monsieur, s'il vous plaît, dans une merguez, c'est quel type de viande? Ma merguez, c'est bœuf et agneau. Ok, bœuf et agneau. Et en fait, en gros, j'ai des petits problèmes sanitaires, je suis un peu parano. Vous êtes habillé comment quand vous découpez la viande? Monsieur, je suis habillé en boucherie et puis voilà. J'ai pas des. On va en laisser là parce que là je crois que vous êtes un petit peu trop parano pour moi. Non, attends, mais monsieur, j'ai beaucoup d'argent. Il a raccroché. Mec, j'ai beaucoup d'argent. Mais oui, il a dit, moi, je mets pas de gants, moi, je me lave pas les mains, moi, je me gratte le cul. Mec, en fait, il s'est dit, c'est un inspecteur, gros. Tu me l'as fait paniquer. Mais t'as pris encore un point. En vrai, bœuf, bien calé. Ouais. Michou, ça va être à toi. Tu t'appelles quoi? Tu t'appelles pas souvent. Oh, le mal de crâne. Tu sais que tu t'appelles pas souvent, mon gros. C'est une poussière. C'est quoi, une poussière? Compta, c'est un comptable. Kishta. La Kishta. La Kishta. Ah, frère. Kishta de vie tarif. Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger. Je vous appelle pour savoir si vous avez des services comptabilité pour un auto-entrepreneur. Non, j'ai été renseigné, non. Ah, ok. Et vous pourrez pas me renseigner si vous connaissez quelqu'un qui pourrait m'aider dans ce domaine? Moi, je suis stagiaire. Ah, vous êtes stagiaire, vous avez quel âge? J'aurais vacciné. Hein. Ok, d'accord. Vous connaissez pas un comptable qui a des prix bas? Genre. Eh hey, frère, tu peux dire Kishta, s'il te plaît. Dis Kishta. Non, personnellement, non, moi j'ai pas ces éléments. J'ai pas de Kishta. J'ai pas les éléments. Mec, il a dit j'ai pas les éléments de la Kishta. Mec, j'ai entendu le bonjour, j'ai su que c'était terminé. Mais du coup, t'as zéro point, mon gars. Oh, let's go. Il a le meilleur. Bande de chiens. Oh non, c'est des trucs de sexe, mais c'était sûr. Tu dois lui faire dire drill, god et puceau. Je vais dire, j'ai jamais fait l'amour, j'ai envie d'acheter des trucs. Wow. Ah bah c'est ça. Oh, j'ai eu une remontée. Allô, bonjour, vous allez bien? Oui, bonjour. Ça va? Je voulais avoir des renseignements parce que j'ai des petits problèmes avec ma copine et tout. Et je voulais savoir ce que vous avez dans votre boutique. Vous m'entendez? Oui. Vous avez quoi comme objet dans votre boutique? Non, mais c'est bien, j'ai dit, là, on peut pas donner des trucs par téléphone. Ah, sur place, mais comment ça s'appelle l'objet pour les femmes, les demoiselles? Oh non. Il a vraiment raccroché d'un coup. En vrai, son accent était trop fort. Je me suis dit, attends, mais je comprenais rien. Moi, je suis chaud, il rappelle. Vas-y. Faut que ça soit une meuf qui réponde. T'appelles qui, là? Le passage du désir, je le sens pas. Ah, je suis déjà allé dans celui-là. Quand ça, il y a deux jours. Bonjour, vous allez bien? Bon, ça va super. J'avais une question parce qu'avec ma copine, je voulais passer, mais elle m'a demandé de me renseigner avant. Elle voulait que j'achète un objet, mais je sais plus c'est quoi le nom. C'est ouais, mais vous avez pas le nom. C'est le truc pour les femmes. Hein. Ouais, et donc? Bah ça s'appelle comment? Il y a plein de choses, monsieur. Voilà, je suis obligé de vous laisser. Bonne journée, au revoir. Mais ils veulent pas vous, ah ouais, en fait. Ah ouais. On s'est fait tous les quatre lyncher. En vrai, je pense qu'on peut passer à la prochaine épreuve. Allez, vas-y. Vous l'attendez tous. Je pense que vous êtes tous au camp. On va se retrouver là-bas et puis bah let's go, quoi. Oh, c'est le taser. Let's go. Bon, nouvelle épreuve, les gars. Oh. Non, c'est trop là. Pas. Mais attends, mais c'est quoi ce jeu? Eh, moi je joue plus là, je perds 2 points, c'est bon. Il y a pas la pile. Il y en a un où il y a une pile, hein. Voilà, je vais les poser là, et à tour de rôle, à chaque fois, tu vois, je ferai un petit mélange. Mais frère, c'est affreux. Là, Michou, il va passer, c'est toi qui commence. C'est moi qui commence. Non, t'es un chien, frère. C'est quoi, je te gagne? C'est ta vidéo, mon gars. Attends. C'est un baiser. Attends, parce que moi j'ai des points à rattraper, ça donne combien de points? Bah, en fait, si tu chopes celui qui l'a pas, qui a pas de pile, tu prends 2 points. Mais si tu prends celui-là, qui a la pile, tu prends pas de points. Et un coup de jus. Ah, mais oui. Et ta dignité au sol. Ah, oui, tu prends le taser et rien. Ouais, sur les boules, t'as plus d'enfants. Mais tu fais pas sur les boules. Bah sur les couilles, frère. Ouais. Il veut des sensations, lui. Non, pour de vrai. Si, commence, mon gars. Je te les pose là, tu les touches pas et tu décides. C'est moi qui tase. Ouais, c'est toi qui tase. Hein. Les gars, je tiens à préciser avant toute chose, ce que vous voyez, c'est réalisé par des professionnels. Ce que je veux dire, c'est que mine de rien, là, on fait les cons, mais en vrai de vrai, c'est pas un jouet. Faut faire très attention. De toute façon, faut être majeur pour pouvoir acheter ça. Donc voilà. Là, c'est à toi de choisir, là.
Mec, c'est horrible. Je suis gaucher, je prends celui-là. Il nous le dira. C'est toi qui choisis l'endroit. Chacun, vous choisirez vas-y, vous tasse. Ah ouais, ouais. Moi, c'est sur le bras. Tu tasses sur le bras. Chacun choisit où il se fait taser. Moi, c'est le bras. J'ai mis sur on. Donc là, je sais que j'ai mis sur on. Mais moi, j'ai peur. Mec, me préviens pas quand tu le fais, gros. Comme ça. Y a rien, mon ref. Le bâtard, le bâtard. J'ai décidé. Mais hé, en fait, c'est vos réactions qui m'ont fait me dire c'est bon, je suis libre. Parce que moi, je l'ai pas vu appuyer, j'avais les yeux fermés. Hé, hey, Amaru, hein. Il l'a dit. Allez, viens, Amaru. À toi. Je sais pas. C'est ça, apparemment, t'es chaud, hein. T'étais devant. J'ai l'impression que tu choisis ton destin, là. T'as pris lequel? Gauche, moi. Vas-y, bah, je prends gauche. Ouais, t'es pas assez malin pour avoir changé. Oh, il essaye de mentaliser. Tu me fais la fesse. Quoi? Mais pourquoi? Non. Let's go. Je t'ai pissé dans le cerveau. Les théories de tout ce que tu veux, 50-50, on est mort. Oh mec, on est sauvés, frère. Oh, celui-là. T'es sûr de t'as toi? T'as déjà choisi? T'as pris lequel? Celui-là. T'es sûr de toi? Bien sûr, c'est sûr, mon gars. Les gars, la tête de ma mère, j'ai jamais eu autant peur devant une vidéo, gros. Mec, vas-y, esprit Chanel, tu comptes être compris, tu te le prends. Oh la chatte. Oh la chatte. C'est moi qui va me le prendre, mais je m'en bats les couilles. Vas-y, mets-moi le coup de couteau. Droit. Rien, vas-y, mets-le. Ça nous rend fou. Ah mais ça fait rien, ça va, ça va, ça va, ça va. Je m'attendais à pire, la tête de Wam. Là, je m'attendais à pire. Bah viens, mets ton bras si tu veux. Attends, on devrait. Vas-y. Ah bah non, ça fait mal là par contre. En fait, quand tu t'y attends, ça fait mal. Putain, mais du coup, il n'a que t'as trop le sel. Mais tu sais que le premier, j'étais tellement sûr de moi, ça m'a rien fait. Bah les gars, en vrai, là, on vient de passer une épreuve qui me faisait très très peur. Bon, je dois peut-être avouer que quand Inox, il a dit droite, droite, droite. T'as un chien. T'as changé. Mec, je le savais, il avait changé. Prochaine épreuve, du coup. On passe à la prochaine. Ouais, on va changer de salle là, mais let's go. Allez, on y va. Mais en vrai, ça va être dur de faire pire que ça. Prochain jeu. C'est Electrinox. J'attends que ça arrive et je vous explique. Je m'en vais aussi. Quoi? Ok, je sais ce que c'est, mais je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est, je sais ce que c'est. C'est quoi? C'est de la purée? Moi, je vous dis, je eh, je sens rien, moi. J'ai pas le Covid, hein. Je sens rien. Il sent rien. Le premier, il termine, prend 4 points. Le deuxième, il prend 3 points. L'avant-dernier, 2 points. Et le dernier, 1 point. Je ne touche pas à ça. Attends, y'a un mec qui va manger ça? Eh, je vous donne les points. Eh, t'es de merde. Attends, on peut manger là? Mais vous êtes des uns. Mais quoi? Mais c'est un ouf, c'est un grand malade, frère, ça. Oh. Alors tout d'un coup, ça me donne plus envie. C'est un petit mot, moi. Mais comment vous faites, les frères? Oh. Oh. Je viens d'avaler, putain de merde. C'est l'anguille. Regarde, c'est électrique. Électrique, les gars. Les gars, électrique. Non, électrique. Non, 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 Moi, ne me donnez pas de points, je ne veux pas le faire, les gars. Mais, mais comment vous faites? Mais mange, frère! Mais c'est des baisers! On dirait un caca albinos. On est bon, hey, c'est dégueulasse! Moi, explique-moi ce que c'est, s'il vous plaît. Qu'est-ce que c'est? Ouais, c'est quoi en vrai? C'est un fruit. Ah, bah, ça y est, frère! T'es chaud? Moi, j'arrive pas! Eh, hey, moi, j'ai mangé 5 bouchées, j'arrête, c'est bon! Mais quoi? Ça va, gros? Ça va bien? La vie de ma mère, c'est moi qui va gagner. Mais frérot, non, frérot. Non, ça chlingue trop. Eh, moi, la vie de ma mère, je le finis. Mais les gars, c'est indécent, frère. Ça va, mon ami? T'es dôme, il est dégueulasse. T'as goûté? Jamais de la. Mais il faut que tu goûtes. Mais t'es une salope si tu goûtes pas. T'as un baiser. Sa bouche, l'ail, plus ça. Ouais, mais lui, sa bouche, elle pue déjà la merde, gros. Donc c'est bon, il peut manger. Regarde, dis-toi tellement ça chlingue. Oh! Non mais t'as pris un bout de T'as pas pris un bout de Tu sais que tellement ça chlingue que j'ai perdu mes chaussures. Je sais pas comment non, c'est mais gros, toi ta bouche elle chlingue tellement que ça lui fait aucun effet, gros. Ok, bon, on a deux nouveaux super-héros. On a Schlingman et on a Electriman. Ça va ressortir. Eh, je suis désolé si je pue de la gueule. Hein. Bah ouais, tu pues un peu là. Parfait. Je vous explique, au niveau des points, j'avoue qu'il était énorme le bout, tu vois. Donc j'ai fait par rapport au courage et à la quantité que t'as mangé, tu vois. Donc pour l'épreuve, celui qui a terminé le premier, c'est Michou. Parce que lui, il se baladait même avec le... Et il graillait vraiment, tu vois. Mec, moi, c'était un burger, mec. Après, je vous avoue que j'ai mis Inox Tag. C'est lui en premier qui a pris le plus gros bout. Hein. Ouais. Après, j'ai mis Michou. Ah, t'as mis Inox en premier? Alors, non. Ça fait Michou, Inox, Michou. Non, ça fait Michou, Inox, Amaru et toi. Après, t'as mis Amaru? Ouais, et toi, dernier. Rien à foutre. Okay. Je dis même pas quatrième, je dis dernier. Ok, dernier. Bah, moi, j'aurais pas pu. Hein. Du coup, on va faire un petit récap des points. Et il reste
restera 3 épreuves après où là je vous donnerai plus les points et on fera le classement final. Donc là déjà, il y a une égalité premier deuxième. Donc Michou avec 5 points et Amaru 5 points. Ils ont 5 points eux deux. Oh le durien, il m'a et après vous êtes égalité. Donc troisième et dernier avec 3 points. Ouais, viens, on traîne plus avec eux. Ouais, mec, c'est des losers. J'ai envie de te dire en français hein, parce qu'il a pas osé le dire avec la langue de Molière. Il y en a un ou deux qui va perdre. Non mais de toute façon, dans tous les cas, n'oubliez pas qu'il y a que le premier qui gagne hein. Ah, on est carrément ensemble dans la merde en fait. Tout à l'heure, Michou vous l'a dit qu'il y en avait un qui gagnait, un grand gagnant, et il y avait 3 gages. Mais je peux vous donner tout de suite maintenant vos gages, si vous perdez. Je suis chaud d'entendre les gages. Donc du coup, Michou, si tu pars, tu feras Uber. Donc dès ce soir pour certains, ou dès demain si par exemple c'est Inox, mais pour le grand gagnant. Donc en gros, par exemple, je sais pas, mais si Amaru il gagne, tu le ramènes à Toulouse. En mode Uber. Oh putain. Si c'est Théodore, bah tu le ramènes chez lui, et puis bah si c'est Inox, let's go. Oh, si c'est moi. Si c'est Inox, tu fais. Oh, j'espère que tu gagnes. Mec, gagne, gros. Non, la tête d'homme, je vais aller en Suisse. Non, non, si c'est Inox, tu fais son Uber pendant toute une journée. Donc, même s'il doit aller chez lui, va m'acheter ça. Tu vas avec lui chez lui. En plus d'être Uber, voilà. Je suis un peu ça. Bah, en même temps, il habite à côté. Voilà, t'es son esclave, en gros. Mec, Inox, si tu perds, on va ensemble au distributeur. Tu retires 700 balles. Quoi 700 distribue quoi. Non, il va pas. Tu distribues de l'argent. Je vais nettoyer, je reviens. Mais t'as pas encore perdu. Donc, il y a 3 perdants. Eh, t'as dit 700. Ouais. Mais c'est un bâtard. Mais la tête d'homme, c'est un bâtard. La tête d'homme, je vais pas. Amaru, si tu perds, tu rentres à Toulouse mais en flexbus. Tu sais, genre un bon 14h, 15h de bus. Oh, alors ça, mon frérot, je pense que je vais prendre la charge de bus. Mais heureusement qu'il prend en charge ses 8 euros. Et Théodore, si tu perds là, allez, tu nous fais un petit son 30 secondes full sérieux avec clip sérieux, on fait direct dans la foulaine. Un bon petit son sérieux sur le gagnant. Du coup, si c'est Michou qui gagne, tu le régales. Donc tu m'en sens d'amour, genre. Donc, tu dois en sens, c'est le gagnant. Amour, c'est toi qui fais ce que tu veux. Hein. Du coup, on est bon, on peut passer à la prochaine épreuve. En gros, c'est simple, vous avez un papier toilette, on le roule. Ça, c'est simple pour le coup, Théodore. Je te regarde toi parce que j'ai l'impression que t'as des. Ouais, il est un peu con. Il y a des cases qui te rapportent des points. Il y a une case avec 1 point, une case avec 2 points, une case avec 3 points. La case avec 3 points, elle est plus petite parce que c'est plus compliqué. Ok. T'as 2 cases avec 0 points. Si tu tombes dessus, tu retombes à 0. Terminé. Complet. On pourra s'arranger sur l'autre, tu vois. C'est moi qui me décide, tu vois. Si vous tombez sur l'autre, 0. 100 balles. Okay. C'est moi. 100 on verra. Et en fait, si tu regardes, mais juste avant le 3, il y a l'ami d'Inox Tag. Mais je pense que ça peut te remettre bien, vraiment. Ils ont remis. On fera l'autre bras. En vrai, Inox, j'ai bien envie que tu fasses juste un essai pour tout le monde. On le compte pas. Comme ça, on va voir comment ça roule, ok. Vas-y. Mais frère, c'est pas du bowling, frère. Mais il m'a dit, fais le rouler aussi, comme ça, c'était bien. Et en vrai, si on est trop lent, avancera un peu pour tout le monde. Tiens, non mais les gars. Ah pardon. Je voulais juste l'aider. Ouais. Je voulais vraiment juste l'aider. C'est bizarre là, il vient de se passer un truc chelou. J'ai bien vu le doigt, il était dans ton cul. Mais qu'est-ce que. Eh, j'ai perdu là. Eh, tu sais quoi, si tu dépasses coup de taser. Faut le dérouler. Vas-y. Mais c'est trop dur. Eh, la tête d'homme, vous rendez pas compte. Et il mange le fruit. Attends, j'essaye. C'est pas mal ça. Putain, il a bien joué. T'as acheté quoi, ouais, ou pas, en vrai. En vrai, j'ai tiré moyen. J'ai une question. Si on arrive avant le 0. Bah y'a rien. Y'a rien. Bah ouais. Putain, t'as trop bien tiré. Ouais bon, un coup de taser. Et si on dépasse, si on dépasse. J'ai une règle. Si on arrive avant le 0 et si on dépasse, taser. Ok. C'est toi qui le fais pour les autres. Non, je peux pas, j'ose pas. Okay. Moi. Non, je le fais. Mais t'es un chien. Non mais gros, lui, tu lui donnes pas un taser. Faut être majeur. Il va le faire sur lui-même. Je suis majeur, frère. Non, pas dans ta tête. 1, 2, 3, c'est pas moi qui commence. Un, deux, trois, c'est pas moi qui commence. Allez, tu commences. Mais aucun problème. Putain, mais lui, il est trop à l'aise. Il va bien se prendre le coup de taser. Eh, moi, j'ai trop peur de tomber. J'espère se prendre le coup de taser, moi. Vous êtes team quoi, vous, team insecte ou taser? Team insecte, moi. Bah, insecte. Team insecte. Ah ouais, je suis le seul team taser, là. Tu préfères taser? Non, mais je te conseille pas. Et vous, dans les commentaires, vous êtes team quoi? Écrivez si vous êtes team commentaire ou team taser. Oui, mais mec, tout le monde préfère manger des insectes. Moi, je suis team taser. Waouh. Et vous mettez un pouce bleu et un pouce rouge sur toutes ces vidéos. Ok, donc je commence. Vas-y. Sans chaud. J'espère, hey, il est égalité à moi, je croise les doigts et retombe sur le 0. Ah ouais, donc là tu règles la puissance? Ouais. Attends, donc là y'a rien là. Non mais refais. Fais gaffe mec, c'est ton vrai coup. Hein. Zéro point. Zéro point. Non, c'est sur la ligne. C'est où? Touche pas. C'est sur la ligne. Si. C'est zéro. Non, c'est sur la ligne. Zéro. C'est sur la ligne. C'est zéro. Non, c'est entre les deux. Monsieur l'arbitre. Attends, quelqu'un a bougé le PQ là. T'es un baiser, c'est un nid. Il y avait un petit bout qui était passé, il était comme ça. Ouais, c'est vrai ça. Il était comme ça. En tout cas, moi, je vais rien dire, mais le plat du PQ est dans le zéro. Oui, mais au tennis, quand il y a un bout de la balle qui dépasse. On est pas au tennis, c'est là. Ouais, mais lui, c'est un fervent genre de tennis, monsieur. Ouais, enchanté. Quel classement? TP 10. Attends, mais excuse-moi, moi, si je peux dire quelque chose, c'est quand ça mord, tu sais, sur le saut en longueur. Bah, je suis désolé, ça a mordu, donc c'est pas bon. Donc c'est ici. Merci. Et là, il y a le plus de parties. T'as zéro point, mec. En vrai, on va négocier, tu te rappelles, on va négocier. Je pense qu'un bon petit cocktail d'insectes. En plus, t'es une taser, toi, non? Ouais. Genre ton petit cocktail de taz, non? Attends, tu préfères. Mais toi, t'es un malade. Non, mais on va lui faire un petit cocktail. Ils ont l'air.
Mec, non mais t'es dans la taille du truc, ouais. Il a mis que la tête. Alors moi je connais, faut pas manger les ailes, il y a... Si mange les ailes. Non, ça sent bon. Ah, il m'a piqué. Mais bon, il est grillé. Tout est mort. C'est bizarre ce qui se passe. Marche, on y va. Allez. Dommage, l'eau, s'il vous plaît, de l'eau. C'est bon, on est bien là. Ouais, c'est bon. Tu rejoues pas, t'as pas perdu de points, t'as pas gagné de points. Non, tu te fous de ma gueule. Non, il a jamais été question de ça. Bah, c'est bon, t'as tombé à zéro. Mais non, mais pas du tout, je suis pas à zéro là. Ah bah, non, si, regarde, tu me donnes la moitié d'un point. Ah, il est à zéro. Non, du coup, attends, il a. Non, tu restes pas à zéro, tu restes à 5. Mais j'étais pas sur zéro, j'étais sur la ligne. Mais non, frère, moi je suis l'arbitre. Vas-y, Michou. Écoute-moi bien, ma seule peur c'est de retomber à zéro point. Le taser, il me fait même plus peur. Il s'élance et il envoie. Non, ça marche. Non, 3 points. Wow. C'est quoi ça? On est sur le truc là-bas. Oh, tu te rappelles de ça? On avait vu ça ensemble. M'en fous, je suis parvenu à zéro. C'était mon seul objectif. Je suis parvenu à zéro. Ouais, pour moi, c'est une réussite. Attends, l'ail dans la bouche. Tiens. Le durian. Franchement, c'est une vaille. Ah ouais, frère. Elle est déterre. Mec, je vais devoir me brosser les dents pendant 2 semaines avant de rembrasser le ouais. On est sur une sauce extra haute. Hein. Et je me brosse les dents avec? Ouais. En vrai, mec, je suis pas sensible au piment. Non, mais c'est pas le sensible, frère. C'est juste que tu te fous un truc sur les dents. Tu sais, c'est fragile une dent. La gencive. Ah, la gencive, ça merde. En plus, je fais que de saigner des gencives, faut que je m'enlève les dents de sagesse. Oh. Je vais pleurer toute la vidéo. Regarde. Oh, ça pique le nez. T'es un mytho. Bah, imagine les dents. Mec, ça arrache. Les amis, pour vous brosser les dents, faut se brosser les dents 3 fois par jour, très important, avec du dentifrice. Les gestes sont simples. Moi, je commence toujours comment? Par la molaire du fond. En bas. Et là, on range comme ça, on retient toutes les dents, on met les dents du haut. Ça pique ou pas? Ça rate. Donc là, et faut recracher après. Arrache. C'est un enfer. Mais normalement, je suis pas sensible au piment. Juste petit conseil, faites pas avec du tabasco. Moi, j'ai la tête qui tourne. Mec, je pensais pas que c'était à ce moment-là, frère. Mec, c'est à l'intérieur de moi. C'est un autre homme. Ça fait mal aux lèvres quand je rigole. Mec, tes lèvres. Je te fais un bisou, ça t'arrache la tête. Vas-y, je suis chaud. Non. En fait, on dirait une pute. Bon, allez, Nox. Dès qu'il y a du papier. Oh le chien. C'est quoi ça? Zéro. Oh, ça c'est zéro ça! C'est le cocktail ça! Ça c'est zéro point! Zéro bah ouais, mais j'avoue que t'es sur le. Non, mais on faut négocier. Non, mais là il est en plein dedans. Mais frère, c'est pas je pense. C'est là, il y a clairement. Mais il est où le zéro? Mais attends, mais c'est quoi ici? Pourquoi le zéro il est... C'était ça? Ah, mais c'était les mais insectes oui. Ah, mais tu bouffes des insectes. Mais bouffe une poignée. Ça, je suis habitué. Ça arrache. Aura des masters. Ah, mais ça pue le durian. Chaque étape, je fais un roux. Non, c'est insane. Chaque étape, il y a un chien. Il y a un roux. C'est pas dans le deal, ça. Oh, tu l'as mis dans le tabasco. J'ai une question. Là, c'est noir. Là, c'est noir. J'avoue, t'es un bâtard. Non, mais à aucun moment, c'est dans le deal. Mais frère, ça va, gros. Non, mais la vidéo c'est essayer de ne pas souffrir. Mais hey, le pire c'est que moi normalement je suis pas sensible. Il y a un filet de bas. Venez à la fin de la vidéo, mec Dobby, ça. Non. Eh bien, on va se régler. Il reste plus que toi. C'est quoi ce jeu de merde? On souffre tous. En fait, je vous avais pas pris. Il m'a mis que 5 tabasco, ça m'arrache. Zéro point. Moi je veux éliminer la concurrence. Tu crois toi? Je ne veux pas faire Uber. Oh, elle est belle, hein. Putain, c'est un beau. Non, t'es mort. On est dans la même équipe. On est ensemble. Eh, t'es mort. Je vais mieux, mec. T'aimes bien le piment? Champagne. Je pense que j'ai jamais eu une réaction comme ça dans un piment. Gros, je suis foutu. En plus, moi aussi, j'ai mes machins qui s'est irrité. C'est vrai? Ouais. Non, mais calme aussi. Vas-y. Non, mais calme. Je le sens, ça pue. Je trop lève. Eh, tu sais que t'es mort. Parce que là, moi, ça m'arrache la lèvre. Non, mais faut que tu fasses. Comment toi, tu te brosses les dents? Faut que tu te dises. Moi, je me brosse les dents, mais moi, c'est où? Ça dure genre 3 secondes. Tous les jours, genre une fois. Mec. Allez. Oh là là. Oh, le tuto brossage de. Eh, on appuie sur la brosse à dents, Théo. Oh, tu vas te cogner. Ça va? Mais attends, il continue. Mais j'ai avalé. Ah, t'as avalé en plus? Oh, pire idée. Je suis un baiser ou? Ah oui, si t'as avalé, mec, bois pas d'eau. J'en ai bu. Oh, mais attends, mais mec, mes lèvres. Eh, les gars, rouge à lèvres gratuit. Si vous voulez du rouge à lèvres gratuit, vous... Wesh, les gars. Vous faites quoi? Voilà. Rien. C'est quoi, les gars? Je suis magnéto. Voilà la pièce. Regarde, je vais te montrer en quoi je suis magnéto. Magnète. C'est quoi être magnéto? E. Eh ben ça je connais, c'est le vaccin ça. Je vous redonner.
Mais attends, c'est incroyable. Je vous explique les règles là et puis après on va. Ah ouais? Voilà, là-bas, t'inquiète. Tu connais le principe genre du beer pong, des gobelets, t'as une balle de. Voilà, bah là c'est la même chose, t'aurais une balle de ping-pong, tu dois la mettre dans le gobelet. Dans le gobelet, il y a soit un petit gage ou soit des points. Une balle chacun. Et on sait ce qu'il y a dans les gobelets? Bah une fois que tu prends le gobelet, tu sais ah, pas ce que tu dois viser. C'est le hasard, ouais. On peut pas revenir à zéro point. Je pense pas, non. Prochain jeu, c'est parti. T'es pas obligé, frérot. Ah ouais? C'est pas nécessaire. Mais c'est ok, c'est bien le gros. C'est stylé. Pour savoir qui commence, le premier qui fait tomber la balle de ping-pong a perdu. Ah ok, voilà, c'est bon. Non, c'est bon, c'est Michou qui commence. Tu jettes de là. Si elle rentre pas dans un gobelet, qu'elle tombe ou quoi que ce soit, tu relances jusqu'à temps que tu tombes dans un gobelet. Et une fois qu'il y a un gobelet, on l'enlève. Moi, je pense qu'il faut viser le gobelet de la pointe. Il y a trois gobelets où il y a des points. Je t'en donne un. Dans tous les cas, on sait pas. Donne-en un où il y a un point. Trois. Ici, là. Oh, c'est un truc immense. Eh, gros, je tire, on voit où ça va. Normalement, le birkin, il faut être bourré aussi. Attends, je vais genre. Mes frères! Oh! J'ai mis dans celui que t'as dit! Dis-moi ouais. Que t'as pas menti, s'il te plaît, gros. J'espère qu'il a menti. Il a bien menti. J'espère qu'il a menti. Pas. Non, il a pas menti. Un point, let's go! Je suis trop putain! Ok, je me mets trop bien. Oh! Oh! Mec, t'es chaud? J'ai peur. Non. C'est quoi? Boisson mystère. Oh mon dieu! Le premier qui attrape la gastro a gagné! Moi je pense ça c'est un jus de pomme! Une vraie gorgée! Ouais, une bonne gorgée de pisse de chameau là! C'est quoi? C'est quoi? T'as même pas bu! Mec, décris, c'est quoi? C'est un jus de poisson frère, c'est un jus de poisson! Ça sent les croquettes non, mec, ça sent le poisson. Oh, mec, tu sais qu'il y a rien que là, c'est sentir, ça me fait des remontées. Moi, je me sens prêt, moi. Okay. Allez, mon pote. Ouf. Oh, mais mec, toi, t'es chaud. Allez, il est chaud. S'il ne le monte pas direct, c'est mauvais signe. Non, s'il te plaît. S'il te plaît. Oh, c'est bâtard. Non, s'il te plaît. Tu comprends ou pas? Attends, pu, porc, faute. Attends, manger, porc. Non, attends. Photo de profil. En gros, je t'explique, c'est eux qui font une photo, tu changes ton réseau Instagram. Les gars, je l'ai. Non, mais ça y est. C'est un dossier? Non, mais ça y est. Michou, si t'es d'accord avec moi, au moins jusqu'à la publication de la vidéo. Et une semaine après. Oh oui, elle est géniale. Non, elle est trop d'art celle-là. Non mais frère, mais ça y est, mais comment je vais gérer une meuf avec ça en PPE? Et tu t'expliques pas, hein, tu dis rien. Ça va le vanner fort. Sur Twitter. Mec, c'est parfait. Twitter. Laisse-la vivre. Elle est incroyable. Tweet ça. Laisse ce tweet. Oh là là. Non mais frère. Inox, je te conseille celui-là. Non mais hey, toi, c'est quand même un mec qui m'a inversé les tasers, faut que je me fasse taser. À gauche. J'ai pas visé, frère. Oh. Oh! Attends, il est pas allé dedans! Oh! Heureusement, en vrai, t'as de la chance. Ah ouais? Ouais? C'est le destin, gros! En vrai, tu sais quoi? Je te dis. Ouh! Ouais, attends, mais avoue, c'est abusé! Regarde son mouvement! Mec, c'est piégeux! Oh! J'ai fini la vidéo avec un cosplay! Yeah! C'est quoi? C'est stylé! C'est incroyable! Mais ouais! Incroyable! T'as moule tes couilles avant. Mec, là, je suis énorme. Il bombe le torse, genre. Je vous explique le dernier jeu maintenant. Une fois que je vous ai expliqué les règles, je vous dépose dans une salle qui est juste on à côté. On va encore bouffer du Dorian. Donc je vous laisserai là-bas et je vous amènerai quelque chose pour finir de vous expliquer, mais vous allez comprendre facilement. Les gars, ça va se passer comment? C'est que vous êtes dans une salle, il y aura une boîte fermée devant vous. Il faudra l'ouvrir et... Attends, je vous expliquerai les règles là-bas, à la fin des règles. C'est un truc qui schlingue, ça. Allez, let's go. Oh lolo lolo. C'est quoi ça? C'est quoi? Non, mais gros. Oh gros, c'est du hareng fermenté. En gros, je vous explique. Moi, je vais être dehors là-bas parce que je vous avoue que... Pourquoi la caméra, elle est dehors? Bah, c'est... Même le cadreur là, il va partir. C'est pire que le Dorian. Ah, oui. Je vais sortir, mais je vais oui, prendre un chronomètre. C'est ce qu'il m'a mis sur le crâne. Je vais prendre un chronomètre. Écoute, je vais sortir, je vais mettre un chronomètre. Si vous sortez avant 2 minutes, vous perdez 2 points. Je ne sors vous pas, frère. Ensuite, après les 2 minutes, bah, si tu pars, et bah, t'as 1 point si tu pars en premier, 2 points si tu pars en deuxième. Et le dernier qui reste là, il gagne beaucoup de points. Si tu pars avant 2 minutes, tu perds 2 points et après, il y a un classement. Après le reste, sinon, il y a des classements. Écoutez, je vais vous laisser l'ouvrir. Faut l'ouvrir complet. Mais c'est lui qui l'ouvre, il est désavantagé. Ouais, parce que ça peut gicler sur toi. Regarde, je l'ouvre. Je l'ouvre, tu me donnes un point. Non, c'est lui qui va décider qui l'ouvre. Je vais le tourner comme ça. Allez. Théo. Pourquoi ça pue déjà là? C'est ma bouche. Là, c'est la première fois de ma vie. Attends, ça gicle. Mais oui, ça gicle. C'est la première fois de ma vie, j'ai envie d'avoir le Covid. Ah, il m'en a mis 6 bâtards. Oh, ça pue. Oh, moi? Oh! Ça arrive. Allez, où?
En fait, t'as des profils. C'est pire que le téléphone. Mec, le téléphone, c'est pire. Oh, mec, l'odeur a donné envie de voir. Ok, j'ouvre. J'ai mis combien de temps? J'ouvre, Théo, j'ouvre. On est à une minute. Et ça, je trinque déjà, il a même mais pas frère, tout fait. Mais frère, en fait, ça sent vraiment la merde. Mais mec, ça sent plus que la merde. Ah! 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 Il a mis la main! Ah! 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 Mais pourquoi t'as fait ça, mec? Pourquoi t'as fait ça? Eh, venez, on fait un défi. Celui qui mange, on fait un truc. Je te donne 1000 euros, toi. Tu... Oh mon dieu! 1000 euros. Je te donne 1000 balles. La tête de l'homme, je te retire 500. Tu manges la sardine, hein? Michou, tu peux pas. Michou, ça va aller. Je jure, tu vas croquer. Tu vas tomber dans les pommes, je le jure, tu vas tomber dans les pommes. Tu crois que tu l'as. Si tu le manges, t'as un. Non, mais déjà, respirer juste. Oh mon dieu! Oh mon dieu! 500 balles, hein. Je te crois pas. Mais gros. Mec, 500 balles. Mais t'es un grand malade. Mais comment tu peux mettre des trucs comme ça dans ta bouche? Mais c'est un baisse. T'avales ça, t'es un autre homme. Tu sais même pas comment il a mis dans sa bouche, je suis malade. Les gars, c'est impossible d'avaler. Mais déjà, mettre rien dans la bouche, t'as un baiser de l'avoir fait. T'es un grand malade. Tu vas lui donner 500 ou pas? La tête d'homme, je donne pas. Allez, bataille. J'arrive plus à respirer ma propre. Vous reniflez au plus près, si vous le faites pas, vous en faites. Au plus près. Le soleil qui mange le morceau de thon là, mec, je crois que je le suce après la nuit. Ah ouais? Tu réfléchis à deux mais... fois. Hey, Dobby, il te donne 5 points si tu le marches et que tu l'avales. T'es frichemonnelle. Mais vous êtes des malades. Et... Vraiment, pour moi, tu es un génie. La vie de ma mère, c'est pas dégueulasse. Eh, lui, la tête d'homme, il mange de la merde tous les jours. Mec, sa bouche, elle est. Oh! Ça fait 5 fois. C'est un malade. Je peux pas. Je te jure que le thon en termes de goût il est pas dégueulasse. Mais gros, mais lui il est starbé. Mais je crois qu'il mange de la merde, gros. Tu me dois 500 balles. Je te dois 500 balles. J'ai qu'une parole. Let's go. J'ai gagné 500 balles. Ouais, Elias, tu vas le manger. Mais je rentre pas en bus, non, je rentre pas en bus, mec. Mais c'est trop tard, frère. J'ai gagné là. Non, t'as pas gagné. Bah si. Ah donc je mange pas. Si, mange. Il a pas gagné. Toi c'est 10 points. Il a dit Dobby. Il a dit 10 points. Si tu manges, je remange. Mec, il a peur des araignées. Il a peur des araignées. Mec, une araignée, ça fait trop. Mais hey. Mais là, notre trappe, je sais pas quoi. What? Oh mon dieu. Oh. 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 Toulouse, Félix Bus. Vas-y, tu l'as dans la bouche maintenant, on part pas en arrière. Gros, tu l'as mis dans la bouche, t'as pas fait ça pour rien. Regarde-moi, t'as fait ça pour rien. Non, alors mâche et avale. Tu peux le faire. Tu l'as pas mis pour rien dans la bouche. Non, pas de Félix Bus, le laisse pas avoir raison. Il va manger, gros. Laisse. Wow, reste là-bas par contre. Ah. Le Félix Bus pour Elias. Let's go. Il s'en bouffe un, il s'en est rebouffé un. Toi, il en a mangé un? Non, ça y est, toi. Reste tout seul, t'es contaminé. Tout ça parce que je pue. Bon, ça va, Inox? Arrête, tu pues, mec. Ça va, Théo? Non. Bon, du coup, je vous annonce les points. En vrai, on va dire directement le grand vainqueur. Il a pas de doute. Hein. Du coup, avec 10 points, donc 5 points dans la première partie et 5 points là, c'est Michou. Let's go! Mec, j'ai tout donné! J'ai tout donné! T'as tout perdu! Je pue pendant 3 semaines, mais c'est pas entière. Grave. Oh! J'ai envie de sortir parce que vraiment, ça doit être une expérience sociale, genre. Sors-le, s'il te plaît! Fais-moi confiance, genre, la tête de l'air. Elle est partie? Oui, elle est partie. Non, frérot. Je l'ai senti, ça a traversé ma bouche et ça a battu l'odeur du Dorian. Ouais, c'est vrai. Hey, t'as eu deux trucs de merde qui se fight là. T'avais 8 points, Elias. T'étais pas loin. Ouais. Et puis, Inox Tag, t'avais 5 points et Théodore 4 points. Let's go! Mec, t'es vraiment le grand dernier. De toute façon, on a tous les trois perdus. Hey, j'avoue, vous avez tous les trois perdus. Inox Tag, tu vas devoir donner 700 euros à des inconnus. Donc, soit tu le fais là, mais il fait nuit, ou alors tu fais. Ouais, il fait nuit, je le ferai demain. Et 500 euros. Non, je le connais. Je le fais demain, mais demain... Non, tu le fais demain, mec. Ouais. Tu le fais vraiment demain. Ouais, je fais demain. Je ramène personne ce soir, je rentre chez moi, je dors bien. Non, quoi que je me brosse bien les dents. Malheureusement, il va falloir que tu regardes les Flixbus. Les Flixbus, et tu tumes dedans. En gros, les gars, pour vous expliquer, là, on fait l'outro, et tous les gars seront après l'outro, en mode... vous allez le voir profiter du Flixbus, Inox donner des sous, et le son Théodore. Pour moi, du coup. Mec, tu vas faire un son pour dire on est méga potes et tout. Ouais, t'inquiète. Les amis, merci d'avoir suivi cette petite vidéo. Souffle vers là-bas. Ah. Les amis, merci d'avoir suivi la vidéo. J'espère que vous avez kiffé un maximum de pouces bleus, des pouces bleus. On s'abonne à la chaîne. On s'abonne à la chaîne, tout ça. La chaîne des trois loustiques dans la description. Let's go. Et bonne chance pour les gages, les gars. Surtout.
retrouve juste après. Merci d'avoir participé à cette vidéo de l'enfer. C'était l'enfer. Wesh les refs, je suis à côté de la Seine, quai de Bercy, je sais pas si vous voyez là-bas. C'est trop le seum. Je suis devant la gare de Flixbus. Je sais pas quoi dire Michou, franchement là tu me l'as mise bien profond. Je pars sur un road trip de 11 heures de bus à côté d'une personne âgée probablement. Ah bah ils sont en train de le charger. Bon bah ça rentre hein. Michou, je te déteste frère. Gars, c'est la nuit, je barotte dans Paris là, j'ai les sous. Je vais devoir trouver des mecs et leur donner. On va voir, dès que je vois des bonnes têtes, on balance. Oh, il y a un mec qui vend des roses. Je peux en avoir une? Tenez. Hein? Non, j'achète que une. Ouais? Tu me donnes le bouquet? Ouais. Ok, merci. Bonne soirée. Merci. Au revoir. Bon, déjà, il m'a donné 4 roses, je lui ai donné 50 euros. Bonsoir les filles, vous voulez 50 euros ou pas? Ouais. Oui, on veut. Tu veux 50 euros? Tiens, déjà, je t'offre un bouquet de fleurs. Merci. Et je t'offre 50 euros. Tiens! T'es sûr? La tête doit me prendre. Non, mais je suis obligé de les donner. La tête doit, j'ai pas envie de te les donner. J'ai pas envie. Je suis obligé. Toi aussi, t'en veux un? Bon bah bonne soirée. Merci, au revoir tout le monde, bye. Ça va mon ref, tu m'as reconnu? Déjà j'ai un cadeau pour toi, mais on monte pas aux autres. Viens, c'est que pour toi et moi, tiens. Tu t'achèteras un défi. Bonjour. Bonjour, j'ai perdu un défi. Et je veux payer votre addition. Tu me reconnais? Ah oui. Non bah vas-y, je paye l'addition. Je vous donne 50 euros, comme ça c'est bon, ça le fait. Vas-y tenez, je paye l'addition. Vous êtes témoin, j'ai vraiment donné. J'ai retenu le défi. Bon, défi respecté. Gars, vous venez de Bruxelles. Vous faites une course, le premier qui arrive je lui donne 50 euros. Tu vois le dernier trou d'arbre là-bas? Celui qui arrive en premier l'a gagné. Attendez, je vais là-bas, comme ça y a pas de triche. 3, 2, 1, go. Allez, il a gagné. Ah dommage, bien joué mon ref. Bien joué. Défi réussi. J'ai croisé d'autres abonnés, vous voulez jouer aussi? Évidemment. Qui fait la course? Moi. Eh, toi aussi tu veux jouer? Toi aussi tu veux faire la... Eh, il y a tout Paris, fait la course. Vous mettez tous en ligne. Eh, grugez pas, il y en a, ils grugent. 3, 2, go. C'est lui. Oh le karma. Oh le karma. Tiens, je te donne ton dû. Premier qui gagne la course, c'est 50. Eh, toi, arrête de gruger. 3, 2, 1. Vas-y, tiens mon ref, tiens, t'as gagné. Tu veux t'acheter une paire? Ouais. Mais t'as pas d'argent. Ok, vas-y, on va faire un jeu. Je te pose une question, si tu réponds bien, je te donne 50 balles. Quel a été l'élément déclencheur de la Première Guerre mondiale? C'est l'assassinat du duc de l'autre là. Il a raison. La tête de Wam, tu mérites. Mais non, mais tu sais que ça me met trop mal à l'aise de donner de l'argent comme ça, gros. Ok, tu viens me dire une question ultra dure. Dis-moi le théorème de Pythagore. Oh non. AB au carré plus. Non. AB au carré plus BC au carré égale AD au carré. Mais non, c'est pas ça. Quel est le plus gros vendeur de 10 de France? Jules, c'est trop simple. C'est bon, je te donne 50 euros. Tiens. Viens là, Laura, viens là. T'es un bon. Bien joué. Non, vraiment, t'es un joué, bon mon ref, on est en blesson. Les gars, là, je me suis dit, il me reste 50 euros, je vais donner à SDF. Comme ça, demain, il pourra s'acheter un truc à manger ou quoi. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Tenez. C'est vrai? Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Attendez, tenez. Bonne soirée. Bonne soirée. C'est la première fois? Bah, tant mieux. Passez une bonne soirée, monsieur. Bonne soirée. Au revoir. Bon, bah, bonne soirée à tous. Merci, les gars. Pas le dire, mais j'ai kiffé quand on s'est croisé. On se capte en soirée, mais je préfère toi et moi poser. J'ai pas osé, mais maintenant je vais te la poser. Est-ce que tu me kiffes? On se capte à l'heure, je me rappelle ton odeur. Donc je t'appelle à pas d'heure, je viens de mettre ton code créateur. Et dis-moi, Michou, est-ce que tu me kiffes ou pas? Je te vois dans les médias, mais je veux te voir dans l'immédiat. Donc je passe à Webedia. Les tournages, je sais que t'as kiffé. Je le vois dans ton sourire. Viens, on s'affiche en story. Tes amis disent que c'est mort, vu que maintenant y'a Elsa. Mais j'en ai rien à foutre, tu sais qu'elle danse pas mieux que moi. Là j'ai les nerfs à vivre, viens, on se barre de mon biche. Et on sera beaucoup trop riche. Hey, hey. Maintenant tu le sais. Toi et moi, je vais qu'on...